is David Jacob speaking from the Royal Festival Hall, which, as you can see from our pictures, is situated on the south bank of the River Thames. Tonight, London and the BBC plays host to the representatives of 13 nations on the occasion of the Eurovision Song Contest Grand Prix 1960. La radio télévision française et la ville de Cannes vous disent bonsoir. Land. Hartelijk welkom in Luxemburg, hier gezien vanaf het dak van de Villa Louvigny, het hoofdkwartier van Radio Luxemburg, waar vanavond door vocalisten van 16 landen gestreden zal worden om de ereprijs van het Eurovisie Songfestival. U hoort hier het orkest van Radio Tele Luxembourg, onder leiding van Jean Roderes, die het winnende lied van verleden jaar, Nous les Amoureux, vertolkt. Het lied dat de bekende filmacteur Jean-Claude Pascal beroemd maakte, en zodat hij hier vanavond aanwezig zal zijn. Good evening, this is David Jacob speaking from the BBC's Television Centre in London. Viewers in the United Kingdom will recognise this building. Ici Naples. Mais ne comptez pas apercevoir le Vésuve. Vous êtes dans le grand auditorium de la RAI, la radio-télévision italienne. L'orchestre est installé. Vous allez apercevoir aussi 1000 personnes élégantes et des cages vitrées où sont placées une vingtaine de commentateurs. En ce qui vous concerne, vous, vous faites partie d'un public évalué à 150 millions de personnes. Pour l'instant, nous en perdrons peut-être quelques-unes en route. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Ici François de Gueldre qui vous parle du Luxembourg. Je suis dans une petite cabine, une toute petite cabine qui est à côté du grand studio où va se dérouler l'émission tout à l'heure. J'ai un casque sur la tête. Must go on. Zozak. Thank you.
Paikka, josta kilpailut televisioidaan, on Asche Hall, konserttiteatteri, jonka... From 20 countries will be competing for the Grand Prix, the biggest international song contest in the world. Contest proper. The Eurovision Song Contest, 1981, from Dublin.
from the Palais de Beaulieu, Lausanne, Switzerland. Chanson 89, characterized this year by the country's proudest symbol, the Matterhorn.